On essaie de se souvenir des trois positions des pieds. Les mains à la taille toujours. Hein, les épaules en bas, le dos étiré. On y va. On tourne les deux pieds ensemble en première position. Et 1, et 2, et 3, et 4. Vous vous souvenez, il y avait comme une fermeture éclair. Hein, mes jambes sont collées. Hein, je colle bien les genoux. Les orteils regardent à l'extérieur. Vous vous souvenez, on rassemblait un tout petit peu. Ça ressemble à la queue d'une sirène. Bien. Et toujours le bassin bien placé. N'oubliez pas le coccyx qui descend dans les talons. On fait un dégagé à droite, 5, et on pose les pieds en deuxième position, bien équilibré. Pareil, les deux talons regardent en dehors, les orteils à l'extérieur, et entre les deux pieds, vous vous souvenez, les talons étant en dessous des hanches, hein, pas trop large, en dessous des hanches. Et je reste. Je pointe de nouveau. Hein, il y avait le changement d'appui, je me pose sur l'autre jambe et je viens par demi-point en troisième position. J'essaie de garder la jambe bien tendue et la troisième position, j'amenais le talon devant l'élastique de mon chausson. Donc voilà, le pied droit est devant le pied gauche, bien au milieu. Je montre, je le sens et ici je fais plier, on essaie de sauter et revenir au point de départ, c'est-à-dire parallèle, sixième position, hop, et on commence à gauche, 1 et 2 et 3 et 4, dégagez, deuxième position, les jambes sont fortes, et point et troisième position, les deux pieds sont croisés, et je plie, et je saute, et je frappe. Les mains. À la fin, on essaie de frapper les mains. C'est parti, je mets la musique, on le fait en musique.